je propose de mener des ateliers avec les objets qui sont issus du spectacle Petit Terrien entre ici et là, qui est un spectacle qui est mené par la compagnie Anoumat. Et c'est un spectacle que vont voir tous les élèves qui bénéficient de mes ateliers. Le projet est donc de faire 8 ateliers avec eux, avec les objets du spectacle. Alors, il y a des objets qui ont été spécifiquement conçus pour les ateliers, puisque dans le spectacle, ils sont en version beaucoup, pas du tout à la même échelle. Ils sont soit beaucoup plus grands, soit beaucoup plus petits, soit beaucoup plus nombreux. Voilà, donc il y a tout un travail sur le trajet et la trajectoire. Qui est représenté avec les élèves ici, avec la corde, le chemin à parcourir, voilà. Et où on se positionne en tant qu'individu par rapport à cette frontière entre être d'un côté ou de l'autre. Les enfants au début commençaient la séance par un petit échauffement, c'était un petit rituel en fait à chaque séance, ça commençait comme ça. Et puis ensuite on démarrait des petits ateliers, donc ça a changé au cours des séances. On a commencé au début avec une corde qui était au milieu de la salle, les enfants devaient marcher sur cette corde ou alors aller autour de cette corde. Ensuite on a travaillé également avec des ballons. On a marché sur la corde comme s'il y avait un bout de bois au-dessus du vide et on devait marcher dessus. Au début, il fallait marcher dessus, après, il fallait essayer de ne pas marcher dessus. Aussi, il fallait, comme on a fait sur la corde, là, on marchait dessus et on faisait comme des... Prendre des risques, c'est ça? Oui, il fallait prendre des risques. Caroline nous a montré les culbutos et on a fait de la danse autour de tous les objets artistiques de danse. Depuis le début, moi j'ai été surpris par l'enthousiasme des enfants. Je trouve que dès la première séance, ils sont bien rentrés dans la séquence et ils ont vraiment développé de nombreuses capacités tout au long du cycle. Et ils ont été de plus en plus à l'aise jusqu'à aujourd'hui, malgré que les séances elles ont été pourtant beaucoup espacées dans l'année. Une première séance, il y a des élèves qui sont très très doués, qui sont très à l'aise dans leur corps et qui se déplacent dans la salle de manière très libérée. Et il y a des élèves pour lesquels le regard de l'autre va être très inhibant et c'est tout mon travail de justement essayer de libérer ces barrières-là. Voilà. Et l'objet aide énormément, le travail avec l'objet aide énormément à se libérer de ça. Oui, certains élèves m'ont surprise. Certains ne s'expriment pas beaucoup en classe, par exemple, et ont osé participer au cycle danse sans se soucier du regard des autres. Donc j'ai trouvé que pour les enfants timides, c'était vraiment une manière de s'exprimer autrement. Ce que ça apporte aux élèves, déjà, c'est d'être à l'aise. On a pu voir l'évolution pour certains élèves, des élèves qui étaient vraiment tout timides, qui au début même refusaient en fait, de faire les activités. Et puis maintenant, on voit l'évolution. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, c'est... être à l'aise, aussi accepter le regard des autres, parce qu'il y avait souvent du public, enfin les autres camarades, et accepter le regard des autres. Et puis au niveau de l'imagination,
Au début, c'était très pauvre, on va dire, leur création. Et puis au fur et à mesure des séances, à regarder les autres, c'est devenu de plus en plus riche et vraiment très intéressant. Moi j'ai aimé quand on a dansé sur la corde et aussi avec les deux copains. Ce que j'ai bien aimé dans toute la séance, c'est quand avec les ballons. En fait, on dansait avec les ballons, on devait le faire tourner autour de nous. Et aussi, il y en avait un qui avait le ballon dans la main, l'autre faisait une statue et dès que celui avec le ballon faisait une statue, l'autre allait prendre le ballon et ainsi de suite. Bah moi, c'est déjà jouer, danser avec mes copains, faire des choses qu'on fait pas très souvent et que là, on a l'occasion de faire. Et puis, voilà. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est pouvoir danser. Et c'était super de pouvoir se défouler comme ça. Moi, être devant la classe, ça m'a pas trop... Ça m'a pas fait que beaucoup de choses. Ils ont conscience que le travail que l'on mène, c'est vraiment un travail corporel, d'expression corporelle. On est au tout début des séances, je leur parle de l'art. Est-ce que la danse est un sport? Est-ce que la danse est un art? Donc on essaie de le définir avec les mots et puis on essaie de l'éprouver aussi. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas me satisfaire de juste je fais parce qu'elle m'a demandé de faire, je respecte bien la consigne. J'essaie toujours d'aller un petit peu au-delà, de leur donner une dimension plus artistique, qui laisse place un peu aux rêves. Oui, ils ont beaucoup, eux aussi, apprécié. On essaye de faire une trace écrite après chaque séance sur ordinateur. Je prends des photos souvent et je leur dis qu'est-ce qu'on a fait là, pour qu'ils aient un petit livret à la fin, pour qu'eux, ils puissent se rappeler, pour que les parents puissent voir aussi, je trouve ça important. Parce que du coup, ils n'ont pas pu venir voir comment ça se passait les séances, donc pour qu'ils aient une petite trace. Franchement, je trouve qu'avant, mes appuis n'étaient pas terribles et puis qu'aujourd'hui, je les ai mieux réussis qu'avant.